Bonjour mes télésphères, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Je viens ouvrir ce vlog. On est lundi 30 août. On arrive au 1er septembre. Mercredi, on sera 1er septembre. Ça va trop trop vite. Et je venais ouvrir ce vlog parce que j'ai un colis. Enfin, je sais c'est quoi. Excusez-moi, mais je tousse. Du coup, on va ouvrir ça. Au début, je voulais vous prendre plus tôt. Il est 11h, mais j'ai eu des soucis. C'est deux nouvelles sorties que je voulais absolument. Du coup, voilà, je suis contente de les avoir. Hop. Du coup, le premier, c'est celui-ci. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il est quotidien à deux. Inconnu de Daniel Gucinano de chez Hugo dans la collection au roman. Voilà, j'ai non, je pensais. Voilà, il vient de sortir. Il est sorti, je crois, hier. Je ne sais plus quand il est sorti exactement. Il fait 380 pages. Oui, il va se lire vite. Du coup, on va se lire la quatrième de couvre. Excusez-moi. J'ai des problèmes pour digérer en fait pour le moment. Et du coup, voilà. Daniel 31, en couple avec Jouza, voit son avenir tout tracé. Mariage, bébé, c'est sans compter sur la cruelle revertissement de situation de retour à la case départ. Daniel est résolu à s'inscrire sur un site de coparental pour assouvir son envie de maternité. À Londres et des brillantes entrepreneurs presse incapables de s'attacher à une femme. Il envisage de sélectionner un futur mère de son bébé pour un site désir à cet usage. Deux inconnus qui prend contact via une plateforme avec le même désir de devenir parent. L'affaire est entendue. Un enfant gardé, partagé et rien de plus long. Excellent. En tout sauf dans l'art de pâcher, prise quand Daniel est une femme indépendante et en résolu à ensemener la maternité. Tout seul, l'équilibre parent-bébé vient rapidement confusé, encore plus lorsque un climat se détruit. Déduction, soit le jour heureux. En amour, on peut toujours compter sur un coup de pouce au destin ou sur le toucher imprévu. Roman psychologique. Ouais, pour le premier. Il est trop beau, j'aime bien les petits pieds, le bébé. Et le deuxième, c'est celui-là, c'est aussi Hugo. Chez Hugo Poche, dans la collection Nous Romans. C'est aussi c'est Nous Romans. Ouais, c'est Nous Romans tous les deux. Et c'est de Quoi qu'il en dise, de Noémie Dany. Voilà, il est trop beau aussi. Il fait... Bien sûr, c'est toujours 453 pages. Voilà. On va lire la quatrième de couvre. Ils sont toujours longs, les quatrièmes de couvre. Regardez ça. Louana, jeune étudiante, avait absolument pas prévu de passer son été à la campagne. Réviser seule dans cette grande maison familiale, quelle idée. Sans compter le manque de sa meilleure amie, l'instance et toute
cette nature, seule âme humaine à l'horizon, sans une lame à l'horizon, une vieille tente qui grince autant que les portes, puis qui dit de son voisin Tracitune, peut aimer qui a Fanny. En revanche, sur son vélo, Gabriel n'a pas le temps de perdre agriculteur. Il croise son travail tout en essayant de gérer au mieux sa vie personnelle. Célibataire et papa d'une petite fille de 3 ans, il n'a que faire de ma vie, de ma nouvelle voisine pour l'été. Trop jeune pour lui, la pétillante citadine n'a pas sa place ici. Oh, mais Luna s'ennuie à croire bien trop souvent le chemin de Gabriel. Quand le désir n'est même tout léger, ce désir, qu'est-ce que l'amour pourrait se retrouver là, juste où on n'attend pas. Roman, bon, c'est même psychologique. Celui-là me tente vraiment bien. J'ai envie de le mettre dans ma palle de septembre, je pense. Oui, parce que je vais faire une vidéo après de septembre. Voilà, j'ai envie de lire des mangas. Du coup, je vais préparer ça. Et voilà. Et après, j'aimerais bien terminer ça. Il me reste 70 pages. Je suis à la page 329, chapitre 33. Et il fait 400. Si jamais. À clair remerciement. Voilà. Du coup, j'ai envie de lire ça. Je vais faire ça après. Je vais faire ma palle là maintenant. La filmer. Vous la montez pour que vous l'avez vendredi. Et le lendemain, vous aurez ce vlog. Comme ça, voilà. Pour le premier... ouais, enfin non. Il faudrait que je la mette mercredi. Je vous mets Pokémon alors vendredi. J'avais mis lundi il y a... C'est quoi que j'ai mis? Bah, aujourd'hui, c'est à la ouverture de Petit Colis. Demain, enfin mercredi, c'est Pokémon. Et vendredi, j'aurais bien voulu mettre ma palle. Mais vendredi, on sera combien? Le 3. Wow, ça peut se passer. Ouais, on va faire ça. Voilà, du coup, vous aurez ça. Et samedi, vous aurez le vlog. Un reading vlog. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien terminer ça. Voilà. Comme ça, après, je pourrais vous en parler demain ou ce soir. Voilà, ça dépend quand je vais le lire, mais j'aimerais bien le lire et le terminer. J'aimerais bien aussi avancer dans mon Demon Painting. Voilà. Là, il est 11h. Je vais aller mettre sécher la première machine et remettre la deuxième. Il y a des machines qui passent, vous allez avoir du bruit. Normalement, avec la fenêtre fermée, vous entendez un peu moins, mais là, c'est une machine qui fait du bruit. Voilà. Et à partir de mercredi, j'ai envie de faire un petit pas planning, mais j'ai envie de voir. Je vais envie d'essayer de faire un truc. Je prends un carnet aligné pour moi. Attends, là, elle n'est pas droite, mais c'est pas grave. Marquer les nombres, les jours, et essayer de voir combien de pages je lis par jour pour voir plus ou moins à combien j'arrive à être sur un mois. Choupette, calme-toi. Voilà, et puis je vais faire mon planning, enfin mon... Je vais faire une palle et je vais essayer d'aller dedans et pas changer à chaque fois. Voilà aussi. Parce que c'est vrai que quand je fais une palle, je n'y tiens jamais. J'avais fait une palle, je sais même pas où il est mon carnet rouge. Ils sont là. Hop. En plus ce matin, j'ai eu un souci avec mon PC. Je viens d'écrire au secours. J'ai essayé d'avoir une personne, le frère de mon copain, mais pas moyen. Du coup voilà, je sais plus c'est quoi, non c'est pas ça, hop, et là ma palle, hop, ouais c'est ça, j'avais mon livre avec ma palle, voilà, non ça non, là j'avais fait la palle de 21 livres, j'en aurais pas lu beaucoup, j'en aurais lu sur 21, j'en ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 6 livres sur 21. Voilà. Après, j'avais fait la pâle d'été et j'en ai lu 1, 2. Après, il faut que je regarde. Non, il n'y en a que 2. Et puis, j'avais fait la pioche à lire de l'été. Là, j'en ai lu 1. Ouais, 1. Voilà. Voilà. Mais je vais laisser tomber ce carnet-là. Et je vais le faire dans celui-ci. Voilà. C'est un e-book. Note et book. Comment dire, Amazon, j'allais dire. Oh, Action. Il y avait les trois. Ne regardez pas parce qu'il y a les poussières. Ça fait un moment que je les ai. Il y avait celui-ci en rouge. Il y avait celui-ci en bleu. Voilà. Et il y avait celui-ci en rose. Un rose pâle. Il est très beau. Il y a plein de poussières. Voilà. Et du coup, j'ai pris le rose pour commencer. Voilà. J'aime bien les carnets. Je suis fan des carnets. J'en ai plein. Et je les utilise pas. Du coup, je me dis, on va utiliser le rouge comme il y a écrit dessus. On va utiliser ça pour mes livres. Voilà. Et je vais faire ma pâle maintenant. J'ai préparé ça. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Normalement, je vais encore avoir des colis, mais ça vous intéressera peut-être pas. C'est des diamond painting qui n'est pas pour moi en plus. Pour mon papa. Normalement, il y a les colis de monsieur qui vont arriver aussi. Qui est pour faire des cocktails. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, non, moi j'ai plus rien. Ah oui, il y a un livre jeudi. Jeudi, il y aura un livre qui doit arriver aussi. Voilà. Et qui me donne très 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 envie de le lire aussi. C'est de Morgane Moncomble, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et voilà. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais préparer la pâle de septembre. Et vous la tournez pour vous la mettre, la monter. Voilà, sur la journée. Bon, allez mettre la massine séchée et mettre la deuxième. Mes couvertures. Voilà, les couvertures à laver. Ce qui va me prendre plus de temps à sécher. Parce que comme maintenant il fait très mauvais, j'espère que ça prend le temps de sécher. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bye bye tout le monde. Bonjour mes télésiens, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog. On est mardi 31 août. Et je reviens parce que j'ai terminé mon livre. J'ai fini Body Painting. Je suis très contente de l'avoir terminé. J'ai terminé hier soir. Avant d'aller dormir, je voulais pas aller me coucher tant que je n'avais pas terminé. Et du coup, j'ai terminé dans les environs de 8 heures. Voilà. Il a une note de 7 sur 10, je pense, sur BookNote. Il est dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Et c'est Clochette Bar Tigrou. Voilà, si vous voulez aller voir ma pâle, tout est dedans. Enfin, la plupart des livres sont dedans. Que je mets, que je lis. Voilà. En temps et en heure, il est où? Bien sûr, je le trouverai pas. Bobby Painting, il est pas là. Ping. Ping. Il est pas facile à trouver. Allez. Il a sur BookNote une 7 sur 10. Voilà. J'ai beaucoup de mais dedans. Voilà. Je suis pas attachée aux personnages. Ils sont bien, c'est pas ça. L'histoire est bien. Il y a beaucoup de whining. Il faut faire attention aux personnes sensibles dans ce bouquin. Il est où? Je l'ai perdu. Non, c'est avant. Mais non. Oh, je ne sais plus. Valentin. Mais non, c'est avant. Et c'est moi qui fume ou quoi?
Voilà, cet ouvrage peut explorer des thèmes difficiles. Certaines scènes ont été détaillées, peuvent choquer les sensibilités des jeunes, des plus jeunes, pour le public averti. Voilà. J'ai un store qui se ferme pas. Du coup, j'ai la lumière sur mon lit, enfin, merde. Voilà. Attendez, je reviens parce que j'ai un truc qui m'ennuie. Ouais, c'est beaucoup mieux. En fait, il y a tous les deux, ils ont ces deux personnages qu'on suit. Il y a Nor, et lui, c'est Vilino, je sais pas comment ça se dit, prononce. Deux personnes qui ont vécu des très durs dans leur passé et vont peindre pour retirer, enfin, exprimer leur peine, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, je suis vraiment, je sais pas, j'ai pas été attirée par tout ça. Est-ce que je l'ai lu au mauvais moment? Peut-être aussi. Voilà, j'avais vraiment pas envie de le continuer au moment. J'avais envie d'arrêter, d'abandonner. Mais je me suis dit non, il faut que je continue, il faut que j'arrive à le terminer. J'aime pas d'abandonner un livre. Voilà. Du coup, il n'est pas abandonné, il est lu. Il a quand même une bonne note, 7 sur 10. Voilà. Mais il y a beaucoup de. Je sais pas comment vous en parler en fait. Tellement que j'ai pas été. J'étais en dehors de l'histoire en fait. Je le lisais, mais voilà quoi. C'était. Je suis pas rentrée du tout dans cette histoire. Même si on parle de dard. Mais voilà. Est-ce que c'est pas mon dada? Peut-être bien aussi. Voilà. Je ne sais pas plus. Mais voilà. Du coup, je ne sais pas si je le garde ou je le mets en vente sur Vinted. Voilà. Du coup, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Et hier soir, comme il était 20h, et que je vous avais fait ma palle, enfin, vous la verrez vous vendredi. Normalement, vous la verrez avant ce vlog, du coup, ça va. J'ai commencé un livre de ma palle, parce qu'il me donnait très, 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 très envie depuis que je l'ai acheté. Quand je l'avais acheté, j'avais lu 2 pages, mais j'ai pas continué, voilà. Du coup, j'ai commencé Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim chez les éditions Kabook. Et il y a je ne sais pas les noms. Il y a l'autrice et la dessinatrice, je pense. C'est un manga, un petit manga, qui a été adapté sur Netflix, adapté en drama disponible sur Netflix et qui vit. Une série a déjà succès de lecteurs dans le monde entier. Voilà, je sais juste qu'on va suivre Kim, une très super secrétaire qui va faire tous les caprices de son patron qui est juste là. Voilà. Ça c'est Kim et ça c'est son patron, voilà. Et j'ai lu, je sais pas, parce qu'il n'y a pas les pages marquées dans celui-ci. J'ai lu vraiment ça. J'ai envie de continuer là. Voilà. Du coup, je vais aller lire ça maintenant. J'aime beaucoup pour le moment. Les images sont très belles. Enfin, les images, les dessins sont très beaux. Voilà. Pour moi, c'est une BD, mais c'est remis en manga. Voilà. Il y a plusieurs chapitres et je suis dans celui du le chapitre 3 et j'ai lu 3 pages du chapitre 3. Enfin, non, 2 pages. Ouais, 2 pages du chapitre 3, quoi. Voilà. Avant de m'endormir, voilà. J'aime bien. On va voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, j'ai déjà commencé ma palle de septembre. Du coup, je pense remettre un autre livre dans ma palle de septembre qui va être. Je ne sais pas si je vais savoir. L'attraper sans tout faire tomber, ça c'est autre chose. Non, je ne saurais pas, je vais vous montrer ça plus tard. Je vais essayer de la voir après. C'est La Majesté et son chat, qui est aussi un manga que j'aimerais bien lire. Comme ça, il sera lu. Je le rajouterai dans ma palle du coup, parce que celui-là il sera lu. Je pense qu'aujourd'hui il sera lu. Voilà, il fait 22 222 pages. J'ai vu sur Livradict. Voilà, du coup j'ai envie de lire ça et je vais lire mes 222 pages. Voilà.
enfin un petit peu moins, parce que je sais pas, il y a 10 pages de lu, je pense. Voilà. Voilà pour ça. J'ai voulu aller chercher le colis de monsieur aujourd'hui. D'habitude, quand je vais chercher un colis, il n'y a pas de souci, il ne faut pas la carte d'identité. Et ici, il faut la carte d'identité. Du coup, j'ai laissé tomber. Monsieur prendra ma carte d'identité tantôt et il ira lui-même. Voilà, pour chasser ce colis. En plus, c'est de la pêche, ça ne m'intéresse pas. Du coup, voilà. Et vous non plus. Oh, c'est beau ça. Du coup, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà, j'ai comment je vous ai dit, je pense, j'ai commencé un carnet. Il faudra que je retire l'étiquette là. Pour comment ça vous dit? Parce que j'ai un peu arrangé ça. Bon, là, j'ai pas encore fait, mais je voudrais bien faire une page d'accueil. Là, j'ai mis les livres que je devais lire, les 21 livres pour 2021. Vous voyez ce que j'ai lu. Voilà. Après, là, en septembre, j'ai fait un petit. Je sais pas, vous allez voir. Tous les mois. Enfin, tous les jours. Et je voudrais bien voir combien de pages que je lis. Voilà. Mais je pense pas lire beaucoup. Enfin. Je lis pas beaucoup déjà de base, du coup voilà. On verra bien. Puis j'avais mis la palle d'été. J'ai remis ma palle d'été. Qui est là. Vous voyez la palle d'été, j'en ai lu deux. Puis j'avais fait là ici ma palle de septembre. Qui a déjà un livre dedans. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous les aurez vus de toute façon mes livres. Là, il y a la pioche à lire l'été sur YouTube. Là, ils sont là. Hop. Et là, les quelques livres que j'aimerais bien me procurer. Voilà, mais que je n'aurai peut-être pas tout de suite. Et là, je viens. Là, maintenant, un instant, je viens de faire l'évaluation des livres. Du coup, j'ai marqué le livre et sa note qui est sur BookNote. Voilà. Je viens de commencer. Voilà. Là, j'aimerais bien. Je vais regarder si j'ai des autocollants et mettre des autocollants à la première page. Pour garnir ici et à la première page. Je vais garder pour marquer carnet l'ivresse. Voilà. Sur ce, moi, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais aller lire et manger parce qu'il est 1h40 et j'ai pas encore mangé. Oh, je croyais que c'était moi qui avais une saleté et c'est mon écran qui a une saleté. Voilà pour les. Enfin, celui-là, je vais continuer. Voilà. Contente de t'avoir terminé, je n'en pouvais plus. Voilà, du coup, on va lire ça. Je viens de faire un peu mes mails. Je viens de checker mes mails. J'ai fait des papiers que je devais faire. Je viens de mettre sur bout. Excusez-moi. Je viens de conclure celui-là sur BookNote et Livradict. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me retrouver. Vous verrez ma palle de livres. Comme ça. Voilà, j'ai encore des nouveaux mails. Hop, poubelle, m'intéresse pas. Comme ça, c'est checké, check. Tout de suite, et on est tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, ouais. Sur ce, je vais vous laisser. Ouais, voilà, j'ai fait du diamond painting ce matin. Ouais, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Du diamond painting quand je me suis levée. Voilà. J'ai encore ma vaisselle à faire. J'ai sorti ma viande pour ce soir. Ce sera des brochettes au curry, je pense que c'est. Que je demande à monsieur Kikui. Voilà. Pour ce, moi je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard ou à demain. Comme souvent, à demain. Bonjour, petit message. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens à l'instant, c'est pour ça que je vous prends tard, il est 2h. Je reviens dans ce vlog, on est le 1er septembre. Je souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas su vous prendre plus tôt parce que je n'ai pas arrêté de travailler. Travailler, 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 voilà. J'ai fait mon ménage avant que monsieur rentre. Et j'ai dû aller à la banque parce que j'avais un coffre à la banque. Sauf que la banque où j'ai mon coffre. Parce qu'en fait, ma banque à moi se trouve sur
Jumet, et mon coffre était à Gosselies. Et la banque de Gosselies ferme. Du coup, j'ai dû aller rendre la clé, signer les papiers, tout bazar. Du coup, voilà, je viens d'aller là. Je suis un peu fatiguée. Du coup, je voulais revenir parce que hier, je vous ai pas parlé, mais j'ai lu pas mal. Et je suis fière de moi. Du coup, dans ce vlog, vous allez voir plein de lectures. Bon, celui-là, je vous l'ai dit que je l'avais terminé. Diamond Painting. Oui, c'est Bobby Painting. J'ai terminé. Je suis contente. Hier, j'ai lu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim chez les éditions K-Book. K-Book. Voilà. Je suis pas impatiente d'avoir le tome 2. J'ai vu qu'il y en avait 4, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on va suivre cette jeune secrétaire Kim et son directeur. Je ne sais pas son nom. Choupette, arrête. Son directeur. Et c'est une jeune femme et secrétaire dans le bureau de son chef. Lui fait tout, 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 tout. Franchement, tout, tout, tout. J'ai l'impression de me répéter, mais je vous l'ai dit, je crois que sur Instagram. Pour ceux qui veulent suivre mes lectures en temps et en heure, allez sur Insta. Je l'ai dit à ce moment-là. Et du coup, on va la suivre dans ses problèmes. Et ici, elle en a marre. Elle voudrait bien arrêter son travail pour essayer de fonder une famille. Elle voudrait bien trouver un amoureux. Voilà, et faire des enfants. Arrête, et voilà. Mais sauf que son directeur, qui est juste là, vous allez voir mon chat, qui n'est pas d'accord qu'elle parte parce qu'elle fait tout. Elle fait à manger, elle lui noue sa cravate, elle va le chercher quand il est trop bourré. C'est une super belle histoire. Il faut vraiment que vous la découvriez. Bon, il est comme au prix de 15 euros. Mais franchement, il vaut le coup. Il est quand même assez épais. C'est 200. Voilà, vous voyez Kim et son boss. C'est trop chouette. Voilà, il est trop beau en plus. Il faut vraiment le découvrir. Ça se lit vite et tout seul. Du coup, j'avais lu ça. Et après, je me dis, bon, je veux lire quoi? Et j'avais pas. Parce qu'en fait, celui-là, il est dans la pile de septembre. Mais j'avais trop envie de lire, du coup je l'ai lu quand même. Pas grave, ce sera un livre lu de ma palle. Et après je me dis, je vais pas commencer un livre de ma palle. Mais j'ai lu la BD, la boîte à musique, le tome 4, les mystères, la disparition. Du coup j'ai lu le tome 4, comme ça je suis en ordre. Voilà, je sais pas s'il va en avoir une autre. Comme, oups, j'ai perdu un truc. Voilà, les dessins. On va suivre cette... cette fille qui vous tombe un petit peu du tome 1, je vous dirais un peu, enfin qui a reçu une boîte à musique de sa maman qui est décédée, et ici elle va rentrer dans le monde mystérieux. Et dans ce tome 4, il y a une jeune fille, enfin elle va découvrir une jeune fille qui attend son professeur de musique, et la professeure est pas à l'heure, est en retard, et la petite fille dit mais c'est jamais le cas. Elle prévient toujours quand il y a un problème. Elle comprend pas pourquoi elle n'est pas arrivée. Et du coup, ils vont la rechercher. Et il y a des trucs qui se passent. Cette BD, elle est magnifique. Je lis pas beaucoup de BD, mais elle est au top. Voilà les images. Plus ou moins. Hop, hop, hop. Il faudra que je vous pas spoiler tout. Voilà. Du coup, voilà, j'ai lu ça hier soir. J'ai lu les deux là. Je suis très contente. Ça fait deux livres en moins dans ma palle. Voilà pour les deux livres que j'ai lus. Et comme aujourd'hui, on est le 1er septembre, j'espère qu'il n'est pas dessus. Non, ça va. J'ai commencé. Oh, j'ai chatouillé mon nez. J'ai commencé à lire Meurtre et pépites de chocolat ce matin. J'ai lu 16 pages. En plus, j'ai un beau marque-page. Voilà. Deuxième tome, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà. Ils sont sortis en même temps. Du coup, je suis là, je lis, je suis à 16 pages. Voilà. Je ne vais pas vous dire grand-chose, je vous en dirai plus, je pense, demain. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Voilà. Je lis le livre de la palle de septembre. Voilà, que vous allez seulement voir.
vendredi, mais cette vidéo, vous l'aurez samedi, du coup, ça tombe bien. Vous verrez que je lis le livre de la pâle de septembre. Voilà. Et je voudrais bien continuer. Voilà. Mes animaux, ils sont fous aujourd'hui. Voilà. J'aurais bien voulu aller au sport aujourd'hui, mais je suis toujours en attente de le colis de monsieur. Demain, c'est mon colis. J'attends absolument avoir mon livre parce que j'avais trop envie de lire. Mais comme j'ai commencé ça, je ne le lirai pas maintenant, à part si je l'abandonne et je le inclus dans ma palle. On verra bien. Voilà. Pour ça, je n'ai plus rien à vous dire. Je veux continuer mon diamond painting. Je ne vous ai pas montré. Je peux vous le montrer. J'essaie de tout retirer. Voilà. Hop. Je ne vous ai pas montré celui-là. C'est, comme vous voyez, tout ça ici, c'est fait jusque-là. Et là, je suis en train de continuer ici. Ici. Voilà. Et après, je vous entame tout ça, le reste. Voilà. J'ai entamé les oreilles de Mickey. Voilà le contour. Là, faut que je fasse ici le. Je fais ça là. Voilà. Et puis je vais descendre. Et voilà quoi. Je vous montrerai au fur et à mesure du temps. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Bon, tu t'allumes. J'ai ma tablette qui s'allume toute seule. Voilà. Je vais continuer ça en entendant le colis et monsieur. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de lire. Ouais. Et regarder les vidéos en même temps. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Enfin, je reprends dans le vlog demain. Je vous fais des gros bisous. À demain. Bonjour ma petite soeur, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. Il est assez tard, comme d'hab. Ça change pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait du diamond toute la matinée. Et puis, j'ai ma mamie qui est venue. Et du coup, on a discuté. Voilà, voilà. Et j'ai des trucs à vous présenter. Du coup, je viens juste à l'instant de le récupérer. Et je suis trop contente. J'avais trop envie de l'avoir. Mais je pense qu'il va être dans ma palle du mois d'octobre. Parce qu'il me donne très, 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 très envie. Je viens de recevoir l'As de cœur de Morgan Moncomble. Aux éditions Hugo dans la collection Nourmance. Voilà, il me tend trop bien. Par contre, on voit pas trop. Ah ouais, c'est un couple en fait. Ils font un bisou là. On voit pas bien. Mais je trouve ça trop beau. J'avais trop envie. Il vient de sortir. Il sort aujourd'hui le 2 septembre. Oh, je vous ai même pas dit la date aujourd'hui. C'est vrai que. De toute façon, vous aurez l'encart là avec la date. De toute façon, le 2 septembre. Ça va trop vite déjà le 2. Il me donne trop, trop, trop envie de le bouquiner, ce livre. J'ai envie de même arrêter l'autre et le commencer. Mais non, on va pas faire ça. Parce que ça se fait pas. Du coup, je vais vous lire un peu le résumé. J'espère que l'avoir oublié pour le mois prochain. Voilà. Allez, c'est parti. S'il y avait bien une chose que Rose et Elvis ont en commun, d'autre qu'une passion sombre, c'est le poker. Elle est née avec le don. Il s'est passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jeu, deviner le meilleur arrivé à son apogée. Apogée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une seule observation, une tresse devant lui. Tito Ferrangino, sa nécessité. Et toujours si un d'humeur lui a juste ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries. Et tuto, Elvis refuse de se laisser faire plus longtemps cette année. Un homme remportera le tournoi mondial du poker et ce sera lui. Pour cela, il faudra appeler à Rose la je sais plus parler. J'ai mal ici, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 2 semaines que j'ai mal, mais des traiteurs de mensonges sur le patate en recherche de l'argent facile, capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité. Elle accepte de devenir son agent secret.
Mais si Elvis refuse de la laisser détrôner par l'attirance qu'il réserve vers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. L'entraînement vaut message secret et tout devenir possible à Las Vegas. Morgan Gomplon a toujours voulu être une tricheuse. À défaut de pouvoir réaliser son rêve, elle a rabat sur l'écriture à l'âge de ses 12 ans. L'auteur de best-seller de nous romances Combien on s'aime ou nos âmes tourmentées, l'as de cœur est déjà un sixième ouvrage. Ouh, ça me tente trop bien, il est trop beau, je me tente trop bien. Il fait combien de pages? Je ne l'ai pas encore mis dans le livre à du coup je ne saurais pas vous dire. Sans le épilogue, on va le compter, parce que c'est toujours le résumé aussi. Au remerciement, il fait 413 pages. Voilà. Il fait à peu près, au total, 414 pages. Voilà, au total, de toutes les pages. Voilà, mais il tombe trop bien. Voilà. Et pour ce qui est ma lecture en cours et Meurtre pépite de chocolat, j'ai lu 40 pages. On est déjà au meurtre, c'est ça qui est bien. Je sais pas pourquoi, hier j'ai lu 40 pages, ouais 40 pages, au soir. Je voulais arriver aux 50, mais mes petits yeux m'ont dit non, t'iras pas encore 10 pages de plus. Du coup j'ai laissé tomber et j'ai fait dodo. Mais voilà, je voudrais bien continuer aujourd'hui. Et c'est très bien parce que là je suis arrivée où il y a une petite recette. C'est trop bien, il y a une petite recette là. Voilà, j'arrive au chapitre 3. Chapitre 3, il y a déjà eu le meurtre. On va suivre deux personnages qui est Sam. Enfin, je ne sais plus les noms parce que c'est vrai que les noms. Ashna, je commence par Anashna, je sais pas. H-A-N-A-H. Qui va aller dans un. C'est comment qu'ils appellent le ranch là? Enfin, dans un petit truc pour récupérer du lait. Et là, elle va entendre un bruit. Elle est avec la nièce. Sa nièce, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois que c'est sa nièce. J'ai plus souvenir. Ouh là là, j'ai trop bien dormi. Sa nièce reste dans l'auto. Et en fait, elle va découvrir le cadavre du monsieur. Il voulait acheter le bâtiment. Voilà, je voudrais bien continuer pour en savoir plus avant de vous en parler comme ça. Je vous tiendrai plus au courant, je pense, dans les jours à venir. J'espère essayer d'avancer du week-end, mais ça va être compliqué. Vendredi, je suis même pas sûre de savoir lire. En fait, il faudrait que je ferme ce vlog aujourd'hui. Oh putain. Oh, excusez-moi. On dit pas des gros mots. Que monsieur voudrait aller en France demain chercher nos courses. Mais... Ou alors je fais ça, ouais, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, vous l'aurez plus tard dimanche, oh, samedi. Voilà, ou dimanche matin à la place, tant pis. On verra bien, parce que dimanche, samedi, je dois aller chez ma belle-mère. Enfin, mes deux belles-mères, enfin, ex-belle-mère et belle-mère. Voilà, c'est compliqué, j'en parlerai pas sur ici, c'est trop compliqué pour moi. Du coup, après-midi, peut-être samedi après-midi, je pourrais lire. Et dimanche, peut-être un petit peu au matin, mais pas des masses. Voilà, quoi, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, moi, je n'ai plus rien à dire. J'ai avancé dans mon diamond painting. Je vais vous montrer ça tantôt, demain. Je pense que plutôt plus tard. Parce que là, non, j'ai pas envie. Je vais rentrer ce livre-ci dans Livre Addict et Booknote. Voilà. On va aller voir ça. Et bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Essayer d'avancer la palle de septembre. Parce que j'aimerais bien avoir
tout lu pour octobre. Il m'en reste deux à lire, voilà. Il me reste ces deux-là. Celui-ci va se lire vite, celui-là un peu moins. Oh, fait 319 pages. Oui, il peut passer aussi. J'espère. Voilà, on va essayer de faire ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais rentrer ça et je pense qu'après, je vais me mettre sur le lit et bouquiner un petit peu. Il est 2h30 jusqu'à 3h30. C'est possible de lire quelques pages. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve plus tard. Voilà. Avec des belles couleurs aujourd'hui. Vous n'avez pas vu mon nifleur? Mon nifleur. Aujourd'hui, je pique tout l'argent. Je suis un nifleur aujourd'hui, je pique de l'argent. Je ne sais pas à qui, même, parce que je suis toute seule. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bonjour, ma chérie, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog parce que hier, je vous ai. C'est pas oublié. On est samedi 4 septembre. Hier, je devais vous prendre et venir conclure le vlog. Mais c'est pas comme je l'avais oublié, c'est que j'ai pas eu le temps. Hier, franchement, je n'ai pas eu le temps. J'ai travaillé du matin, j'ai suis rentrée à midi et demi. Quand je suis rentrée, je me suis changée, enfin, je me suis parpouillée, changée, enfin, soit mangé un petit bout. Je me suis mise 5 minutes, même peut-être 10, aller sur le lit. Puis, il me s'est arrivé et c'est lui qui s'est. Déparpiller, changer. Et on est parti en France. On était à Auchan faire nos courses. Voilà, nos plus grosses courses, on peut dire, comme l'eau et plein d'autres choses. Voilà, parce qu'on n'avait plus rien, de toute façon, à la maison. Du coup, voilà. Je suis. Ah oui, j'ai pris des livres. Je voulais monter ici, je les monte plus tard. Je vous montrerai dans le prochain vlog. Moi, ouais, je préfère. Et je vous montrerai ça lundi ou demain, je sais pas, je verrai bien. Du coup, faut que j'arrange mes lunettes, et là je touche là, et là non, comment merde. Ce que j'allais dire d'autre, je ne sais plus. Du coup, ouais, on est revenu, il était 5h30. Je suis rentrée, j'ai rangé mes courses, j'ai. Tondu l'autre chose de monsieur, j'ai donné à manger aux animaux. J'ai vite regardé ma petite série parce qu'il commence à 6h à 5h30. Du coup, j'ai regardé vite ma petite série. On est rentré à 5h30 parce que c'était ça commençait. Du coup, entre temps, j'ai tondu, j'ai redonné à manger, j'ai fait ça en même temps qu'en regardant ma série. Et après, j'ai été chez ma mamie vers 8h. Je lui ai apporté ses bouteilles d'eau pour qu'elle ait eu de l'eau, voilà. Et excusez-moi, j'ai un coup de pompe. Je suis rentrée qui était 9h, du coup je lui ai mis ses bouteilles à donner et rangé direct. Puis on a parlé un petit peu et il était 9h, 9h15 quand je suis rentrée. Du coup je n'ai pas continué à lire, je n'avais pas envie. Du coup demain, hier, j'ai pas lu. Vendredi, faut que je barre, comme quoi j'ai rien lu. Peut-être une page, mais voilà. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas encore lu non plus. On est samedi, j'ai toujours pas lu. Il est 4h30. Là, je vais vous monter vous le vlog. Ce matin, on s'est levé à nos 13. Puis, j'ai dû aller récupérer des clés. Et après, j'étais chez ma belle-mère. Et de chez ma belle-mère, on a été manger sur la place de ce Maghrébin. Là, je sais jamais le nom de la place. Mais enfin, ça, à la Louvière, sur la place, où il y avait des petites food truck. Et du coup, on a mangé là. On a bu aussi sur place. C'était bien, c'était chouette. Puis on a été ils font ces cafés, restos, enfin, je ne sais pas exactement. Et là, on a mangé notre dessert, on a mangé une glace. Et de là, on est reparti sur la place, on a bu un verre. Parce qu'on avait acheté des tickets et qu'il fallait qu'on les fasse partir. Et du coup, de là, on a bu notre verre. Et après, on est reparti à l'auto. Il était 2h30 qu'on est arrivé chez ma belle-mère.
Revenir ici, il faut une vingtaine de minutes et j'avais mal de tête. J'ai même fait, si vous voyez mes stories, vous aurez vu ma story comme quoi j'avais mal la tête. Je me suis reposée 40 minutes, je pense, plus ou moins. Voilà, et là, je viens de donner à manger mes fauves. Couper mon réveil parce que j'avais mis 1 heure, mais je suis levée avant 1 heure. C'est ça que je dis 40 minutes. Voilà, et voilà, maintenant je suis là. Je vais venir conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il y a plus de blabla que d'autres choses. Mais voilà, on n'a pas trop le choix pour le moment. Les vacances sont terminées. J'ai pas grand chose à vous montrer. Je suis obligée de mettre mes lunettes un peu de travers pour. Voilà. En fait, il faut que je change le bout là. Il a bougé, je pense. Et du coup, ça mérite là, ici en dessous. C'est pour ça que j'attrape des petits boutons. Parce que ça mérite. Voilà. Il faut que je refasse mon appareil. Et c'est aussi, il faut que je vous en parle dans le vlog. Parce que si je suis dans le vlog précédent. Voilà. Et vendredi, je vous donnerai. Ouais, et vendredi, j'ai même avancé dans dans mon cahier de. Comment on dit? Qu'on réécrit tout. Ouais, j'avais acheté le livre comme ça. C'est mon petit carnet de lecture. Je vous avais déjà montré, voilà. Et du coup, j'ai fait toutes les petites photos que je suis en train de coller, voilà, pour essayer de remettre en ordre, hein, plus ou moins. Vous voyez là, vous avez le titre, le sous-titre, le tome sur, voilà. Si c'est en, hop, je sais pas quoi là, e-book, je pense que c'est ça. L'autrice, l'éditeur, la parution, les pages, si c'est en VO ou en VF, si c'est en e-book ou en papier, si c'est un achat, un cadeau, un SP ou un prêté, la date du rendu du prêté, bien sûr, la date que je l'ai commencé, la date que j'ai fini, puis une petite citation, ça vous la mettez, celle qu'il y a sur le livre ou celle que vous avez envie, si vous aimez ou vous aimez pas, et puis votre avis, et puis en dessous. Juste en dessous ici, vous avez aussi des petits trucs où vous vous avez fait à relire, relu, j'ai recommandé, chroniqué et votre note. Moi, souvent, je mets chroniqué comme je vous parle. J'en ai quand même pas mal à vous faire. Je pense que c'est cette semaine-ci que je vous ferai, que je vais faire la vidéo de les livres que j'ai lus. Parce qu'il y en a quand même pas mal, en ce c'est fait. Voilà, je crois qu'il y a une 5-6. Il y en a une, deux, que vous avez en vlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je finis celui-là, mais ça m'étonnerait. Voilà. Il y a 9 livres que j'ai lus. Ce serait pas mal de vous faire un update, un point lecture. Voilà. Et je trouve que ça donne bien les petites photos, comme ça. Voilà. Du coup, voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez plein de pouces. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans un prochain vlog. Je ne sais plus parler. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, je vais monter tout ça et essayer de vous le mettre pas trop tard. J'aimerais bien qu'il soit pour 5h30 en ligne. Parce que là, il est déjà 4h45. Du coup, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Au moment que vous regarderez cette vidéo, je pense que ce sera en soirée. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Ou un bon matin si vous le regardez dimanche matin. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.